Le principal trait de mon caractère. Obstiné. Moi, je dirais l'obstination. Et toi ? Réfléchis. Allez, on enchaîne. Mon principal défaut, l'obstination. Selon la personne qui est à côté de moi, je dirais la mauvaise foi. Bien, honnête. La qualité que je recherche chez mes interprètes. De la corporalité en musique. Présence et densité dans le mouvement. Les artistes qui m'inspirent. Georges Mathieu en peinture. Soulages. Pierre Soulages. Moi, c'est plus toute la sculpture italienne, mais ça va de la sculpture italienne à Lana Del Rey. Roots Manuva, Tom Waits, Mos Def. Bertrand Cantat. Mon premier souvenir de spectateur. Je dirais que c'est un film sous le plus grand chapiteau du monde. J'étais tout petit, j'ai premier film et ça, c'est du cirque. C'est moi en spectacle, c'est Cafig au Grand Air à La Roche-sur-Yon. J'avais 16 ans et en cinéma, c'est le Baron de Munchausen. Mais héros ou héroïne dans la vie réelle. Héros dans la vie réelle. Ça existe, ça? Moi non plus, je crois pas trop aux héros. Si, je dirais mon père, moi. Mais il est pas là depuis longtemps, il a 21 mois. Donc voilà, il s'appelle Nel. Mais héros ou héroïne dans la fiction. Un classique Batman, hein. Parce qu'il est sombre. Le mot que je préfère. Fruit. Loyauté. Le mot que je déteste. Impossible. Le mensonge. Le son, le bruit que j'aime. Ting. Le son, le bruit que je déteste. Un mensonge. Moi, c'est le bruit des travaux. Le métier que je n'aurais pas aimé faire. Assureur. Menteur. La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel j'aimerais être réincarné. Une loutre. Un ginkgo biloba. Comment j'aimerais mourir ? D'un coup. D'un coup, mais dans l'espace. Et voilà.